Hi guys, I think we're ready for questions now. Okay, guys, we're out of time. Focus sur Anthony Martial. 4 buts marqués lors de son dernier match. Autant vous dire que son niveau de confiance est au plus haut. On reste ensemble. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et on se retrouve tout de suite pour ce match retour, comptant pour les huitièmes de finale dans cette compétition, le Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain reste sur un très bon résultat au match aller. Donc vous avez 2 buts d'avance, ça va, match retour, vous faites quoi? Vous attendez, vous restez en défense, vous protégez le score? Bien sûr que non, vous appuyez encore. Voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale et enfin ce duo en attaque. La composition pour le Paris Saint-Germain, le numéro 99, Gianluigi Donnarumma, le numéro 4, Ben Chilwell, le numéro 21, Milan Skriniar. Position de cette formation. Le 3-5-2 dépend du travail des latéraux ou des pistons, comme on dit. Ce n'est pas une tactique, c'est un moteur. Le coup d'envoi de la partie donné à l'instant par les joueurs de l'Inter. Otavio. Edin Dzeko. Lukaku avec le ballon. Ballon vers Çalhanoğlu. L'action se poursuit. Réception de Çalhanoğlu. Et on passe encore par Lukaku. Gossens à la réception. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Depuis le début de la compétition, ses prestations sont dans l'excellence. Avec ses buts, mais aussi son attitude, sa capacité à peser sur le match. Il frôle les attitudes. Romelu Lukaku. Gossens à la réception. Ah, tiens, il y a un hors-jeu là qui est signalé. Thank you.
Kylian Mbappé. La passe est mal assurée, c'est perdu. Nicolo Barella. Mkhitaryan reçoit le ballon. Otavio. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Edin Dzeko à la réception. Le ballon change de camp. Nuno Mendes reçoit le ballon. À ce centre mérite beaucoup plus d'application. Oh oui, c'est bien fait, il est passé. Eh oui, il est revenu là à la charge et il récupère le ballon. Fabien Ruiz. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Robin Gosens. Trajectoire coupée par Aymeric Laporte. Francesco Acerbi. Bonne intervention, la passe est interceptée. Ballon pour Dzeko. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. Edin Dzeko à la réception. Et oui, pour Lukaku. Excellent timing sur cette interception. Ça, je vous dis, l'arbitre, avantage pour le PSG. Nuno Mendes. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Barella. Dzeko reçoit le ballon. Ouais, c'est vraiment bien vu ce ballon. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Nuno Mendes. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Mbappé peut-être pour reprendre. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. La faute était commise en amont de cette action, mais l'arbitre est bien revenu dessus. Cornea. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et la porte à la réception. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Fabien Ruiz. Otavio est sur le côté. L'Inter qui a du champ. Edin Dzeko à la réception. Attention Lukaku dans la surface. Et très bonne intervention du gardien. Marquinhos. À la réception de Nuno Mendes.
Fabinho. Mbappé. Jiménez reçoit le ballon. Romelu Lukaku. Nicolò Barella. Le ballon pour Robin Gosens. C'est vers Lukaku. Bien placé Nicolò Barella. Oh, l'intervention! Kylian Mbappé. Une minute de temps additionnel. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. C'est parti, le début de cette première période. Le ballon pour les Nerazzurri. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. La transmission vers Chilwell. Et la frappe peut-être. Et la frappe est contrée. Le corner bien tiré, la défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Le ballon pour Fabián Ruiz. Il est toujours en possession du ballon. La réception de Carlos Soler, et la passe est interceptée. C'est un ballon de contre à jouer. Et à noter pour tous les passionnés, cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble. Bientôt, le PSG affrontera Strasbourg. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça ? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Oui, le long ballon. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter ? Et voilà le but ! La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien des buts. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Edin Dzeko. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ça sort en touche. Henrik Mkhitaryan. Et l'équipe récupère le ballon. A une bonne contre-attaque peut-être. Le ballon pour Kylian Mbappé. Lukaku avec Henrik Mkhitaryan récupère
Fabian Ruiz. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Mbappé. Ah, il faut bien négocier ce ballon. C'est une récupération du ballon sur cette action. Attention, Kylian Mbappé. Et encore un troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non, c'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce au placement, pas au physique. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Henrik Mkhitaryan. Mais c'est intercepté là, l'Inter perd le ballon. Skriniar. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Nuno Mendes. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Ça passe à nouveau par Nuno Mendes. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est renvoyé. Et ça joue sur Martial. Tir contré sans difficulté. Quel arrêt splendide! Énorme réflexe! Eh oui, en plus, à cette distance, c'est grandiose! Et un changement donc. C'est bien frappé par Mbappé. Otavio. Et l'équipe reprend la possession. Fabinho. Fabinho avec la balle. Fabian Ruiz. À nouveau Carlos Soler. Eh non, c'est rendu ça. Robin Gosens. Ballon pour Romelu Lukaku. Excellent le geste défensif là. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Ouais, bien fait, c'est pour Mbappé. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et avec ce but, le score est sévère, 4 à 0. Lukaku. Mkhitaryan reçoit le ballon. Mkhitaryan avec le ballon. Réception de Çalhanoğlu. Nicolò Barella avec le ballon.
Gossens à la réception. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. Réception de Çalhanoğlu. Le gardien se détend avec ce plongeon. Un peu de coaching avec ce changement. Changement pour le Paris Saint-Germain. Joueur sortant, le numéro 13, Fabinho. À sa place, le numéro 14, Marcelo Brozovic. Le corner de Çalhanoğlu. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. C'est un ballon pour Çalhanoğlu. Le ballon pour Barella. Et ça joue sur Lukaku. Nicolò Barella avec le ballon. Et c'est intercepté. Ballon perdu par l'Inter. Skriniar avec Marquinhos. Nuno Mendes en direction de Fabian Ruiz. Le ballon est intercepté. Le coup de sifflet final. On en a donc fini avec ce match retour et c'est donc fait. C'est la qualification pour le tour suivant. On ne peut pas dire que la qualification n'est pas méritée. Sur l'ensemble de deux matchs, il a été clairement supérieur. La preuve est évidente quand on regarde le tableau d'affichage. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse. Le coup d'envoi de la partie donné à l'instant par les joueurs de l'Inter. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Elle a frappé contrée. Oui, le long ballon. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Et voilà le but. Attention, Kylian Mbappé. Encore un troisième but d'avance, sans doute définitif pour assommer cette rencontre. Et ça joue sur Martial. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Et oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Un peu de coaching avec ce. Hi, just a couple of questions for you. Thanks, that'll be all for today. Merci de votre présence. Je crois que nous allons pouvoir commencer.
Thomas. Voilà, c'est terminé. Pardon si nous n'avons pas pu prendre toutes les questions. Au revoir. Le jour de gloire est arrivé pour cette équipe. Le sacre, c'est sans doute pour aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain affronte le Racing Club de Strasbourg. Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes, dans la cabine de commentateur Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment Tomar Da Fonseca, la Pulguita, un moment peut-être historique pour l'équipe locale, qui peut aller chercher le titre dès aujourd'hui, et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Et avec ce match à domicile, ça sera peut-être l'occasion de célébrer ce titre sur leur pelouse avec tous les supporters. Tout se passe bien, évidemment. Le numéro 25, Nuno Mendes. Le numéro 13, Fabinho. Le numéro 28, Carlos Soler. Le numéro 8, Fabián Ruiz. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Et enfin, ce duo en attaque. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Le 5-3-2 est le même que celui de l'équipe en face. Même schéma, mais pas forcément même combativité ni la même ambition. On va voir ça. Et c'est parti dans ce match. Fabinho, Fabián Ruiz. Attention à ce ballon dans la profondeur. Occasion peut-être de marquer. Ballon capté sans problème. Garde Bruno Costa. Et c'est dans les pieds de Bellegarde. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Gilbert reçoit le ballon. Ah, Kevin Gamero, il peut frapper. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Le corner bien tiré. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Un coup d'œil au classement pour vous rappeler l'enjeu de ce match. Si les planètes sont bien alignées, le titre est possible dès la fin de la rencontre. Oui, mais ça dépend aussi des performances des autres. C'est mieux de ne pas spéculer, de se dédier entièrement à jouer le meilleur match possible. Corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Fabinho avec le ballon. Ah non, c'est contré. Ah, il est bien frappé ce corner. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Le ballon pour Kylian Mbappé. La transmission pour Skriniar. Fabinho. Ballon pour Anthony Martial.
Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et il remporte son duel, bien défendu. Kylian Mbappé. Oh, le but de Kylian Mbappé. Le ballon préoccupé des suites a te procuré une action dangereuse. C'est bien joué. Dans cette rencontre, les Strasbourgeois sont menés d'un but. Martinez. Et ça joue sur Diallo. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Kylian Mbappé. Mbappé. Fabinho avec le ballon. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Un bon contre à jouer peut-être. Alors il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, il s'agit du premier but en faveur de l'AC Ajaccio. Un but à zéro donc, alors que la rencontre a débuté il y a 21 minutes. Et c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Mbappé. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Ibrahima Sissoko. Gamero à la réception. Ballon pour Diallo. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Un ballon perdu, la possession change de camp. Fabian Ruiz. Excellente intervention, ça sort en touche. Fabian Ruiz avec le ballon. Et c'est donc un corner à suivre. C'est joué par Mbappé. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et ça joue avec Fabinho. Et maintenant Carlos Soler. Ballon pour Anthony Martial. Et il peut frapper Martial. Ah, et le bon geste défensif, il fallait intervenir. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Fabinho. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Fabinho. Ouais, séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Oui, les passes s'enchaînent bien. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et très bonne intervention, la défense est soulagée. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. La frappe contrée, sans souci. Et ça sort, nouvelle chance.
C'est bien frappé par Mbappé. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, et donc l'action s'arrête là. Diallo. Ballon vers Kevin Gamero. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Kevin Gamero. Oui, bien joué. Le jaillissement sur cette ouverture dangereuse. La transmission vers Bellegarde. Ça joue avec Anthony Martial. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Bah, c'est une transmission bien coupée. Quel ballon dans le dos de la défense. Et la bonne transmission dans l'espace. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. C'est la mi-temps et malgré la victoire qui se profile, il va falloir attendre encore un peu pour célébrer le titre. On le savait avant le match, la victoire ne suffirait pas. Il fallait aussi compter sur la défaillance de leurs concurrents directs. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Gilbert reçoit le ballon. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Ah non, c'est contré. Et il remporte son duel, bien défendu. Kylian Mbappé. Et très bonne intervention, la défense est soulagée. La frappe contrée sans souci. Et ça sort, nouvelle chance. Le début de la deuxième mi-temps et le PSG qui mène toujours d'un but dans cette rencontre. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et avec maintenant Anthony Martial. Et le ballon est finalement intercepté. Habib Diallo reçoit le ballon. L'arbitre indique le point de pénalty. C'est une occasion en or d'égaliser pour cette équipe. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Le gardien. Salut. Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiaste. Le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Ah non, ça va pas là. Le ballon heurte directement le premier défenseur. Et l'arbitre indique le corner. C'est joué par Mbappé. Oh l'arrêt! Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Goal, 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 goal! Et oui, sur
sur cette très belle reprise de volée. L'équilibre est parfait, c'est imparable. On revoit les images de ce but, le dégagement est raté, la défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu, tu fais quelque chose, ne reste pas comme ça à attendre. Et deuxième but contre cette équipe, ça fait 2-0. Sissoko. Une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Et voilà, une passe à l'adversaire. Frédéric Gilbert. Et c'est avec Bellegarde. Habib Diallo reçoit le ballon. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain, on va aller voir ce qui se passe. Et oui, avec le deuxième but pour Monaco. C'est un but inscrit par Kevin Volland. Oh, la tentative! Quelle intervention, elle est hyper importante. Désolé pour cette interruption un peu brutale, mais priorité au direct. Et à noter donc ce but de l'AS Monaco à l'instant. Ceci leur permet de mener au score 2-1. Bruno Costa. Ballon pour Bellegarde. Gamero à la réception. Ballon pour Diallo. Attention, l'occasion pour revenir. Et oui, voilà le but. Ce but qui redonne de l'espoir. Il faut en mettre un autre pour égaliser. On le revoit, les échanges de passes laser qui permettent d'ouvrir un décalage. Et ensuite, c'est facile. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. Le coach qui a l'air contrarié après ce but encaissé. Voilà, le match qui reprend et Strasbourg n'a maintenant plus qu'un petit but de retard. Mbappé. En direction de Fabian Ruiz. Un ballon pour Carlos Soler. Il va falloir déclencher là avec Kylian Mbappé. Allez, c'est bien fait pour éloigner le danger. Allez, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain, une nouvelle occasion de prendre un avantage conséquent. C'est bien frappé par Mbappé. Ouais, c'est bien joué, quelle claquette! Ouais, c'est un nouveau corner à tirer. C'est bien parti pour ce corner. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Très bon geste défensif, c'était risqué. Et à noter pour tous les passionnés cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble. Bientôt, le PSG affrontera Toulouse. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse, on va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'OM. On en est donc à 2-1 et on joue ici depuis exactement 70 minutes. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Le marchand. Diallo. Le ballon vers Frédéric Gilbert. Ballon pour Bellegarde. Allez, non, le ballon est perdu là. La réception de Carlos Soler. Attention, voilà un bon duel. C'est au fond! Et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant 2 buts d'avance.
regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Alors que le match reprend, nous rappelons le score 3-1. L'action se construit dans le camp adverse. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et il revient fixé à l'intérieur. Fabián Ruiz avec le ballon. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, bien placé là-dessus Nuno Mendes. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Nuno Mendes. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, réalisme, tout leur sourit. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de feu. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffle. Le ballon pour Kylian Mbappé, et maintenant Carlos Soler, bien placé pour une frappe peut-être. Et allez, et encore un but, quelle puissance offensive, 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but est dans les 6 mètres. C'est un art de l'anticipation et de l'intuition. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Avec Kylian Mbappé. Et oui, c'est dangereux. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. On le revoit, les échanges de passes et lasers qui permettent d'ouvrir un décalage. Et ensuite, c'est facile. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6 buts à 1. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, c'est contré par Marquinhos, mais attention! Et l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire et pour l'instant, ce n'est pas encore fait, le titre leur résiste encore un peu. Il faut confirmer, être concret, il manque les 10 centimes pour l'euro. 10 centimes qui valent de l'or. Ils ont mis la table, dressé le couvert, mais le festin c'est pour demain. Ah non, c'est contré.
et il remporte son duel, bien défendu. Kylian Mbappé. Et très bonne intervention, la défense est soulagée. Elle frappe contrée sans souci. Elle s'assort, nouvelle chance. Oh l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est par... Gamero à la réception. Ballon pour Diallo. Et oui, voilà le but. Ce but qui redonne de l'espoir. Il faut en mettre un autre pour égaliser. La réception de Carlos Soler. C'est au fond. Et un but important pour le PSG. Les Parisiens en maintenant. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Nuno Mendes. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficace. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Carlos Soler. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance. Et encore avec Kylian Mbappé. Et oui, c'est dangereux. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick, c'est fait, formidable. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Merci encore.